could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Un beau dimanche, il fait beau. Ça fait deux jours où il fait beau, mais il caille par contre. Hein. On n'a plus de neige, nous. Je pense qu'elle est partie ailleurs. Je pense que certaines d'entre vous doivent être sous la neige là. Nous, on n'en a plus. Le soleil est revenu, le printemps est revenu, mais un petit printemps un tout petit peu plus frais qu'il y a une semaine. Alors, Greg est parti au potager. Moi là j'ai lancé le poulet, alors j'ai fait avec les petits carrés que j'ai acheté hier, c'est un mélange logiquement, enfin, ils disent que c'est un mélange à spaghetti. Il y a des petits carrés d'oignons, des petits carrés de poivrons, des petits carrés de carottes, je me dis que ça pourrait être pas mal. J'ai mélangé ça avec les pommes de terre, mis un petit peu d'épices italiennes à l'intérieur, j'ai badigeonné mon poulet. Allez, c'est parti au four. Je vais faire ça avec une petite salade. Là, j'allais m'occuper de mon levain qui est encore bien gonflé. Alors, vous voyez, il est ici alors que d'habitude, il est ici. Vous voyez qu'il est plein de petites bulles. Je pense qu'il est vraiment bien parti. Alors, je vais continuer là à retirer comme d'habitude en fait. Je vais faire ça pendant une dizaine de jours pour qu'il prenne vraiment de la force. Mais là, il commence à bien lever. Hein. Mais logiquement, quand on a trois levées comme ça d'affilée où il double bien de volume, c'est qu'il est parti. Et on pourrait commencer à faire un pain, faire un bon rafraîchi en premier et puis commencer à faire un pain. Mais moi, je préfère assurer parce que souvent, les premiers pains, il faut vraiment que le levain a de la force pour bien faire lever toute la farine et tout le pain. Donc, je préfère pendant quelques jours continuer à le nourrir comme ça pour être sûr qu'il soit bien parti et lui donner bien de la force pour avoir des bons résultats sur mon pain. Donc comme d'habitude, là ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser de moitié, donc 50 grammes. Je vais prendre 50 grammes, le mettre dans mon... alors soit vous le jetez comme je vous ai dit, soit vous en servez pour faire du pain, moi c'est ce que je vais faire. Et l'autre moitié du coup je vais la renourrir avec 25 g de farine, 25 g d'eau. Alors je pense que maintenant vous commencez à comprendre en fait, à chaque fois on renourrit le levain avec l'équivalence de ce qui est à l'intérieur du pot quoi en fait. Mais là oui il a bien, de la mousse à l'intérieur et tout, il est bien, je vais vous montrer. Et vous voyez, c'est vraiment plein de petites bulles à l'intérieur. Il est vraiment bien pris là. Et puis quand on passe la cuillère, on entend toutes les petites bulles qui claquent. En fait, avec la cheminée en ce moment qui va, là, il fait très bon dans la maison et je pense que ça a aidé à ce qu'ils prennent bien quoi en fait. Après la farine aussi, la qualité de la farine aussi que vous achetez. Alors moi c'est de la farine que je vais chercher directement au moulin Mont-Saint-Pével pour celles qui sont dans la région. Il y a le moulin Wast, W-A-S-T. Il y a un petit stand en fait où on peut aller se procurer de la farine, la même farine que certains boulangers utilisent. Je pense que les Auchan Leclerc, ils utilisent la farine de là. Et après, il y a sûrement d'autres boulangers aussi. Il y avait un boulanger dans mon
mon quartier avant, et je voyais en fait les sacs de farine qui ressemblaient à ceux que, enfin voilà, avec le logo et tout, donc il devait se procurer sa farine aussi là. Mais du coup vous avez des mix et tout de farine, je trouve mon gluten là aussi, tout ce qui est graines aussi, c'est beaucoup moins cher et tout. Ils ont un site, je pense, je vais essayer de vous le retrouver, je vous le mettrai en barre d'infos pour celles qui sont... Alors nous c'est pas à côté de la maison, on a quand même une bonne demi-heure, trois quarts d'heure à chaque fois de route. Donc quand on y va, on fait le plein de farine. Mais au niveau prix, ça vaut vraiment le coup. Surtout, alors peut-être pas pour la farine T55, je pense, alors à un moment, parce que ça fait un moment que je suis pas retournée, parce que j'avais arrêté de faire du pain maison donc en grosse quantité, donc j'y allais plus. J'achetais des sacs de farine, quoi, en fait, à Lambda. Mais au moment où j'y allais, je pense qu'un gros sac de 25 kg, je devais payer 17 €. Si je dis pas de bêtises. Pour la farine T55. Par contre, tout ce qui est mix et tout, ça vaut vraiment le coup. Parce que du coup, vous payez entre, ça dépend les mix, mais entre 3,50 € et 7 €. Mais pour le sac de 5 kg, quoi, en fait. Ça dépend le mix, ça dépend les graines qui sont à l'intérieur. Les graines aussi, par contre, oui, ça vaut vraiment le coup. Je me souviens plus de combien je payais, mais c'était... ouais. Et le gluten aussi, si vous... manger, enfin vous faites des préparations, vous voyez, quand, je sais que certaines font des préparations végétariennes avec du gluten ou quoi, et ben ça vaut le coup aussi, beaucoup moins cher qu'en magasin bio par exemple. Bon allez, je vais nourrir mon levain, donc je vais récupérer les 50 grammes que je vais mettre dans le bol de mon kitchen, et je vais voir pour faire du pain pour je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui comme pain. Il me faut du pain pour ce soir, on a oublié encore une fois d'aller chercher de la... À chaque fois. Alors quand vous allez prélever, vous allez voir qu'il reste pratiquement rien en fait hein, dans le pot. Hop, vous voyez, j'ai. Mais ce qui reste dedans, ça va faire repartir le levain, quoi, en fait. Hein. Même si vous avez l'impression, bon là il reste. Voilà, hein, il reste 50 grammes, mais on a l'impression qu'il reste qu'une cuillère à soupe. Et en fait, compte, c'est ça. Voilà, il faut vraiment pas grand chose pour que les bactéries se prolifèrent. Et au fur et à mesure qu'elles vont avoir l'habitude de se proliférer et de se nourrir comme ça, elles vont attraper de plus en plus de force. Alors, le pain d'aujourd'hui, je pense que je vais faire des baguettes viennoises. Alors, je vais pas vous partager la recette aujourd'hui. Parce qu'en fait, il faut que je retrouve la bonne recette. Je vous explique. En fait, moi, à la maison, j'ai plein de cahiers avec des débuts de recettes, des voilà, des pseudo recettes que je testais et que je rectifiais, et puis et quand je suis dans la recherche d'une recette, je note et je me rends compte, ah bah ça y en a trop, ça y en a pas assez, bah là la pâte elle était trop liquide, ou la pâte elle était, voilà, et du coup je rectifie au fur et à mesure. Ce pain là je le faisais énormément quand Greg, il y a un moment dans... Il y a quelques années, en fait, il faisait les 3-8. Et à ce moment-là, voilà. Je le faisais assez souvent. Je savais sur ce cahier quelle était la bonne recette. Mais maintenant, je ne sais plus. Donc du coup, je vais tester. Je vais voir si c'était cette recette-là que je faisais qui me donnait les résultats que je voulais. Et quand j'aurai retrouvé la bonne recette, je vous la partagerai. C'est pour ça que j'aime le blog aussi. Que je le fais aussi un petit peu individuellement. Parce que je sais où retrouver mes recettes. Sans que ça soit le fouillis dans mes cahiers de recettes. Parce que je sais que quand je mets la recette sur le blog, c'est qu'elle est validée. Voilà, donc du coup je vais faire ça, et puis comme je vous dis, si je retrouve la bonne recette, je vous la filmerai, et puis je vous la mettrai sur le blog sans souci. Là je vais les faire nature, à moins que je fasse une partie pépite de chocolat, je vais voir. Je vais voir, mais je me suis dit que... Alors nous on mange aussi bien en sucré qu'en salé, hein, le pain viennois. Et Greg souvent quand il se prend un sandwich quelque part, ouais, dans les boulangeries ou quoi, qu'on s'arrête pour manger un truc ou quoi, souvent il prend des baguettes viennoises, il adore ça. Je fais ma pâte. J'ai un doute. En fait, je viens de tomber sur une autre recette et je pense que c'était plus celle-là. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien. Donc là, je vais la laisser doubler. Et puis, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne en attendant que Greg rentre. J'ai trop dormi, trop lourd. J'ai mal à la tête. Vous voyez, comme les matins, les lendemains de fête, là. Vous voyez ? En fait, c'est pas les mal à la tête, c'est la tête lourde. Je pense que hier j'étais fatiguée et du coup je suis tombée comme une masse et j'ai peut-être un peu trop dormi. Ça me convient moyen. Allez, je vais aller travailler un petit peu.
Oh, j'ai entendu que tu as dit un gros mot. Greg est rentré. Il va couper le poulet. Les pommes de terre, elles ont l'air d'être bonnes avec les petits légumes comme ça. Hein? Ouais. Ça fait un petit jus. Je vais vous montrer, mais... Ça fait un petit jus, ça va les aromatiser un petit peu. Vous voyez, avec le petit carré de légumes, là. Non, je vais faire un peu de place, comme ça, il met le poulet coupé sur le côté. On va manger. Alors moi, je me suis pris de la salade. J'ai demandé à Greg, tu veux de la salade? Il m'a dit, oh, ça va, il y a des légumes avec les patates. Franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup de légumes, hein, chérie. Ouais, je sais pas. On n'a pas envie de salade, donc c'est tout. Allez, on va manger. Et je pense que cet après-midi, je sais pas ce qu'on va faire, mais je pense que ça va être tranquille. J'ai trop mal à la tête. Enfin, j'ai pas trop mal à la tête. Je sais pas comment vous dire, en fait. Hein. C'est comme si que... Voilà. J'avais besoin d'aller dormir. Oh là là. On a l'impression que le soleil il se cache, là, maintenant. Ouais. Non, ça rafraîchit. Là, je vais aller dehors. On a mangé. Mes pains avaient, ma pâte avait bien gonflé, donc je les ai mis en forme. J'en ai fait 5 natures pour ce soir, et j'en ai fait 5 avec des pépites de chocolat pour demain matin, ou même pour Greg prendre au travail. Là, du coup, je vais faire le petit cisaillement là qu'il y a sur les petits pains viennois. Puis on verra bien ce que ça donne à la cuisson. Mais comme je vous ai dit, je pense pas que ça va être ma recette définitive. J'en ai trouvé une autre qui, je pense, me donnait des meilleurs résultats. Je vais les laisser bien gonfler. Je vais les cisailler là. Et puis les griffer. Et je vais les laisser bien gonfler. Alors, je les ai fait en version petit. Mais on peut les faire en plus grand. Mais je trouve que version petit, c'est mieux. Parce qu'une fois que c'est attamé, après ça a tendance à sécher là où il y a la découpe, quoi, en fait. Donc là, ça se conservera mieux. Non, mes petits pains sont cuits, mais je suis plutôt satisfaite, en fait, hein. Mais moi, ils font plus petits pains au lait, hein. Mais donc là, c'est les pépites de chocolat, et ceux-là, c'est les natures. Là, avec Greg, on est en haut. On a changé notre lit de place de côté. Et en train de régler le réveil. Vous voyez le réveil de d'AliExpress. En fait, la notice est en anglais et en allemand. Donc du coup, on n'arrive pas à... on n'arrive pas à régler. Mais c'est pas grave, on va y arriver, hein, mais... Faut qu'on... Stacy, va donner un coup de main à ton père, là, pour traduire le truc. Je l'entends qui peste depuis tout à l'heure. Oui, et puis en fait, c'est pour pouvoir avoir un mur, pour pouvoir mettre le rétroprojecteur, parce qu'il y a deux moments le soir, ben, Greg a tendance, on n'avait pas la télé en fait dans cette chambre de transition. Alexa, stop! Donc du coup, on va mettre le rétroprojecteur pour pouvoir avoir la télé dans la chambre et regarder deux moments le soir. Parce que deux moments, Greg s'endort et je suis obligée de le réveiller pour monter et tout, alors que je lui dis autant regarder la télé dans la chambre. Je suis pas pour la télé dans la chambre, hein, mais voilà, là... ça sera plus simple pour lui. Il a réussi? Puis au moins, s'il s'endort, j'ai pas besoin de le réveiller. Et puis son sommeil n'est pas coupé ou quoi. Voilà, il peut finir sa nuit et dans son lit, il sera beaucoup mieux. Hop là, on va les laisser refroidir. Mais je pense que je vais rectifier un peu cette recette pour en faire des petits pains au lait. Parce qu'en fait, celle-là, elle est un peu plus sucrée que la recette, l'autre recette. Et je pense que du coup, ça fait plus ce style, voilà, petit pain au lait. Mais voilà, je vous filerai la recette dès qu'elle elle est au point. Mais ils ont l'air d'avoir une mie bien filante et tout à l'intérieur. Je vais laisser refroidir et je vous montrerai. Les enfants, ils veulent goûter. Alors, Stacy l'a déjà pris, hein. Je vous montre à l'intérieur. Tiens, Angel, ça a l'air d'être bon. Si on commence, Tessie? Ils sont bons. Je vais l'emporter à Greg. Alors, il a fini avec le réveil. Maintenant, il se bat avec, avec le rétro. Le projecteur. Ils étaient bons.
J'ai pris un bout. Mais ça fait plus petit pain au lait. Mais franchement, ils sont bons. Je vous partagerai la recette. Hein. Je vais la peaufiner et je vous partagerai la recette. Et je peaufinerai la recette de... je vais retenter la recette des pains viennois et je vous partagerai la recette aussi. Mais là, je suis contente. En fait, ils sont... Vous voyez, le pain viennois, il doit faire aussi bien sucré et salé. Là, bon, ce soir, on va les manger en... Ils sont un petit peu trop sucrés, en fait. C'est ça. C'est... Hé, hey, chérie, je vais avoir des droits d'auteur. Ils sont un peu sucrés pour les pains viennois. Mais là, pour pain au lait, avec les pépites de chocolat, même Greg qui rajoute d'habitude plein de trucs dedans et tout, là, il n'y a rien mis du tout. Il les a mangés comme ça. Et même Stacy a mangé pépites de chocolat. J'ai pris pépites de chocolat au lait. Et c'est passé nickel. Tant mieux. Bon, ben, on a fait un flop. En fait, le réveil, il fonctionne avec le buzz. Avec le son de la radio, il va, mais très trop bas. On n'arrive pas à régler le son. Donc, ben, après, il va bien, il fonctionne bien et tout. Hein, mais voilà, ben, il sera réveillé par le bip, bip, bip. et par contre pour le rétro projecteur, pas moyen de... Pareil, on n'arrive pas à remettre Netflix, il dit que ça se met... enfin voilà, bref, on a fait un flop aujourd'hui. Mais c'est pas grave, Greg va commander un truc puisqu'on a une télé, il va commander un truc pour pouvoir mettre sur la télé. Puis on mettra une petite télé dans la chambre en attendant qu'on récupère notre chambre. Voilà, que les travaux soient finis au grenier, en haut et au grenier, oui, et enfin dans l'autre chambre et tout. Voilà, en attendant qu'on continue. Bon, allez, je vais mettre ma batterie en charge et puis je vais aller me trouver une petite occupation. Bah, j'aurais pas beaucoup vlogué aujourd'hui. C'est pas la, pour tout avouer, c'est pas la grande forme. J'ai l'impression que... Enfin, j'espère vraiment que je suis pas en train de couver quelque chose. Que c'est peut-être juste un petit coup de mou. Mais ouais, je... Comme je vous ai dit, j'ai la tête lourde. Comme si j'étais fatiguée alors que... Comme si j'étais le lendemain de fête alors que j'ai pas fait la fête hier. Bref. Alors, on a passé une bonne partie de l'après-midi en haut. Entre le réveil, le rétro, le projecteur et puis le... J'ai fait un peu de tri aussi. J'en ai profité. En plus, j'ai l'impression que ça a été une journée qui n'a pas été productive en fait. Parce que dès que je faisais quelque chose, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, je pense que c'est dû au fait que j'étais pas bien. Et du coup, j'ai l'impression d'être toute mollassonne, tout. Hein. Le seul truc positif de la journée, ça a été les petits pains. Hein, allez, fou. J'ai bon le vin. Qui a l'air de... Je suis désolée, je suis encore une fois vous faire bailler. Franchement, je pense que ces vacances là vont me faire du bien. Là. Dans une semaine, on est en vacances. Yes. Oui, donc je disais, je pense que mon levain est vraiment bien, bien, bien pris. Parce que regardez-moi ça. Là, il a triplé de volume, quoi. Je l'ai nourri tout à l'heure et il est bien, bien gonflé. Je le cache derrière la cheminée, derrière la télé, quoi, en fait. La personne qui le voit, il est au chaud. Donc oui, je pense que je vais pas tarder à tester, à faire un pain. Mais là, il a l'air d'être de mieux en mieux, quoi, en fait. Hein. Continuer à le nourrir. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, je gaspille pas le levain que je me départis, puisque là, je l'ai mis dans les petits pains que j'ai fait. Donc, c'est cool. Bon, allez, je vais aller voir Greg s'il arrête là pour aujourd'hui. Il est en train de continuer à trier un tout petit peu aussi, lui. Et puis on va commencer à attaquer la petite routine du soir, je pense. Il est déjà bientôt 18h. C'est le week-end est déjà fini. Pourquoi les week-ends passent toujours plus vite que les semaines, hein? Mais bon, logiquement, cette dernière semaine devrait être une semaine plus ou moins cool. J'ai rien de prévu, à part ma réunion là que j'avais en plein heure du midi, que je vais pas pouvoir y aller. Que je ne vais pas pouvoir aller parce que, voilà, ça va être trop short, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, oui, ça risque d'être une petite semaine tranquille avant les vacances. On a eu une belle journée en fait, ça m'en de rien aujourd'hui. Ça aurait été une journée bien pour aller se balader si j'aurais été un petit peu plus en forme.
Il devait faire froid hein, dehors, mais il y a du grand soleil, quoi, en fait, ça fait du bien. Bon, allez, je vais aller voir où est-ce qu'il y en est, Greg. Je suis en train de préparer le repas de ce soir, donc j'ai fait les frites. Par contre, ça a l'air de piquer. Non, c'est pas des frites, c'est des... je sais pas comment vous dire, ça fait comme des chips, en fait. Voyez, ondulé, comme ça, des pommes de terre ondulées, mais c'est sel et poivre, et je viens d'en goûter une pour voir si elles étaient cuites, et ça pique un peu. Ça sent le poivre. Ouais, merci chérie. Et je suis en train de faire cuire du poisson. En fait, le dimanche, souvent, je regarde ce qu'il y a dans mon congélateur. Il me restait deux morceaux de poisson, de filet de poisson pané et deux, trois morceaux de poisson. C'est les poissons style fish and chips. Donc en fait, il y en a resté trois d'un côté et deux de l'autre. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Donc on va faire en sorte que c'est tous du poisson, quoi, en fait. Et il reste des tomates coupées et des oignons, des burgers de vendredi. Donc voilà, celui qui veut, il pourra en mettre dans son pain. Donc en fait, on va le couper, on va mettre le morceau de poisson, enfin style filet au fish avec... un poisson comme ça, et puis avec des petites pommes de terre. Bon, Greg nous a mis un film, ça a l'air d'être bien. On va voir. C'est sur Netflix, chérie, ou sur Amazon? Amazon Prime. C'est le titre. Les trois prochains jours. C'est une femme qui va se faire accuser de meurtre, en fait, mais une femme voilà, un peu comme nous, quoi, en fait, une femme maman voilà, qui a jamais rien fait et tout, et elle va se retrouver en prison pour meurtre, et son mari va, je pense, la faire évader de prison. Ouais. Donc ouais, ça a l'air d'être bien. On va manger, ça pique, c'est vrai, c'est les pommes de terre, elles sont bonnes, hein, ça fait je crois que ça dépend sur lesquels tu tombes. Je me suis fait du coup comme un filet au fish avec le poisson, tomates, salade, des oignons, des cornichons. Et du coup, c'est les pommes de terre. Elles sont bonnes, mais c'est vrai que quand on tombe sur celle où il y a beaucoup de poivre, elles piquent un petit peu. Mais pas tous, c'est vrai à ce point. Greg, il y a vraiment le palais très 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 sensible. Hein. Moi, je le... Ça mange pas. Bah arrête, c'est pas tant que ça. Et pourquoi? Et si tu mettrais avec un petit peu de sauce, peut-être que ça adoucirait, non? C'est vrai qu'on sent bien le poivre quand même. Bon allez, on va manger. On va continuer. On va continuer. Pourquoi t'as pris des oignons crus? On va continuer le petit film. T'aimes bien? Ouais, il a l'air d'être pas mal. On n'est qu'à pas grand chose, hein. Quoi qu'il y a quand même 25 minutes, mais il dure quand même 2h13. Bon allez, je vais vous faire des bisous, puis je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous, dernière semaine avant les vacances. Yes, allez, bisous, à demain. Oui, il y en a qui ont de la chance. Oh là là. Allez, bisous, à demain.